Bonjour les amis, c'est Mitra Pneumas de Nintendo Alert Session of Play. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une quête qui me tient à cœur. Donc, je l'ai déjà commencé cette quête. Donc, c'est retrouver les armes des 4 prodiges de Breath of the Wild. J'ai déjà fait une vidéo pour l'arme de Mipha. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder. Et je continue avec celle d'Urbosa qui était mon prodige préféré. Alors, le souci, c'est que moi, je suis une joueuse, hein, donc malheureusement, il va y avoir des armes que j'ai déjà prises, des quêtes que j'ai déjà bouclées sans vraiment le vouloir. Ça fait partie du jeu, hein, je ne vais pas relancer une partie, repartir de zéro pour juste faire une vidéo. Donc voilà, moi, je vous montre comment faire. Donc, on se trouve ici à la cité Gerudo. Alors, il y avait une quête, justement, c'est ce dont je parlais. Un truc avec la... Voilà, la propriétaire disparue. Donc, je l'avais récupérée. Et en allant tuer un mole d'Arcor, donc j'ai sauvé une Gerudo. Moi, c'était pas voulu. Juste que j'étais en train de farmer des moles d'Arcor. D'ailleurs, pour les tuer facilement, j'ai fait une soluce là-dessus. Et ben, je l'ai sauvé sans le vouloir. Hein, donc, ça a bouclé la quête. Ça a avancé dans la quête, ce qui fait que je ne pourrais pas vous montrer l'emplacement exact du mole d'Arcor sur la map. Mais voilà, il n'y en a pas 500 hein, des moles d'Arcor dans le désert Gerudo. Donc, et dans tous les cas, il faut en farmer pour les tenues et pour tout un tas de choses. Donc voilà, moi je vais boucler cette quête-là. Donc, c'est pas que tu étais, donc elle va me remercier. Donc voilà, j'ai aidé la propriétaire de la bijouterie. Était sec le monstre. Donc la propriétaire est très reconnaissante et c'est elle en fait qui va me faire donc les deux armes d'Urbosa. Donc là on voit qu'elle a un point d'exclamation rouge, on lui parle. Sur blabla. Donc les fameuses armes des 7 joyaux hein, qu'on connaît très bien. Les armes d'Urbosa, donc le cimetière des 7 joyaux et le bouclier des 7 joyaux. Et comme dans Breath of the Wild, en fait, c'est la même chose. Vous vous souvenez, parce que moi, je les mettais à la maison et je ne les ai jamais cassés, mais je me souviens de des amis qui les avaient cassés et qui allaient les reforger. Et il fallait donc des diamants. C'est exactement la même chose. Donc là, on va chercher en fait le cimetière Gerudo et un bouclier Gerudo. Pour ceux qui ont les amiibo, c'est plutôt simple, hein, ça pop très souvent avec l'amiibo d'Urbosa. On va quand même essayer d'aller les chercher par nous-mêmes. Il me semble de mémoire. Un par ici. C'est grave quand on commence à se souvenir de mémoire de l'emplacement des coffres. Alors, bon, de mémoire, il y en a un ici. De mémoire. S'il n'y est pas et que vous n'êtes pas allé le chercher, vous en trouverez un là. On va y aller. Aussi, je trouve ça un peu moyen qu'on puisse rentrer comme ça dans la cité Gerudo. J'avais trouvé tellement sympa la quête pour s'infiltrer. C'était très très marrant. J'aurais pu prendre un morse des sables, mais... J'aime me balader cette map. Non, puis on est si loin que ça. J'espère vraiment ne pas l'avoir pris, ce coffre. Alors, vous demandez peut-être pourquoi j'ai un seul avatar. Je vais vous répondre. Je trouve mais c'est que c'est une très, très, très mauvaise idée de nous les avoir tous mis sur l'écran.
Ça rend l'écran illisible. Je trouve que c'est très très compliqué de jouer de cette façon. C'en est un petit malin. C'est ce que c'est ça. Hein. Si on s'approche de lui, il va sauter, il va me faire peur. Et ces octos-là, je les déteste. J'ai pas de bombe à lui lancer, donc je m'en écarte. Bon, bref, donc je vous disais, je trouve bon que déjà de une, bah, les pouvoirs des sages n'ont vraiment rien à voir avec ceux des prodiges de Breath of the Wild. Hein, ils sont nettement moins puissants, ça c'est clair. Et ensuite, je trouve ça ultra, mais ultra pénible de les avoir tous à l'écran. Il m'empêche de me battre. D'ailleurs, voilà, c'est clair, hein, je vais vous montrer. Un combat qui arrive. On voit le bordel que ça fait à l'écran. Je les ai tous invoqués. Ah, bon, hein. Et en plus, lorsqu'on a besoin, par exemple, je sais pas, là ça va parce qu'il n'y a pas de combat, mais par exemple, on voudrait appeler Ryu. Pour balancer de l'éclair, elle se trouve à l'autre côté, de l'autre côté du combat. C'est une plaie, à mon sens. Hein. Voilà, tu commences à courir après Ryu, reviens ici. Voilà, c'est exactement ce que je dis. Tu sais plus où t'en es. Tu veux appeler Ryu. Voilà, je pense que ça, des images valent mieux. Voilà. C'est mieux qu'un long discours, et c'est exactement ça. Là, je voulais appeler Ryu, résultat, j'ai lancé du nobo. Enfin, j'avais enlevé mes. J'avais enlevé mon équipement parce qu'il y avait de l'orage. Voilà, bon, ils se mettent devant toi. C'est un désastre. Enfin, c'est pareil, j'essaie de retrouver Ryu pour balancer. Alors que sur le côté, c'était quand même simplissime. Je sais vraiment pas pourquoi. En plus, quand on sait que la Switch, c'est pas une PS5, quoi. Elle a du mal, hein. Elle crache un peu ses poumons parfois. Je vois pas l'intérêt de nous rajouter ce type de lag. Hein. Où est Ryu? Ici. En plus, elle est hyper speed, Ryu. Donc, regardez, c'est quasiment impossible. Voilà, et tu montes sur le golem alors que tu ne voulais pas. Enfin, tu vois plus rien à l'écran. Laisse-moi descendre. En fait, au final, ça te pénalise plus que ce que ça peut t'aider. À mon sens, hein. Là, t'appuies sur. Ouais, ça me. Ça, je voulais vous montrer, mais ouais, ça me. Je pense que vous avez vu. Hein. Vous-même, vous devez y jouer, donc vous savez très bien comment c'est. C'est ultra pénible. Alors, je les laisse faire. Allez-y, dans la curée. Terminez-moi ça. Donc voilà pourquoi moi je vais désactiver. Je garde le piaf parce qu'il est bien sympa durant les sauts. Il me donne un coup de boost. Mais alors le piaf, c'est Mineru. Hein. Oh là là, mais quel désastre. C'est quoi ça? Un espadon de chevalier? Doit être ah, ici. Alors, je vous ai fait un combo. Comment aller chercher les pièces qui vous manquent et me plaindre des sages? Non, rien de sage. Donc là, il fait trop chaud. De tenue. Voilà. Donc le cimetière Gerudo, celui qu'on cherche. Tant pis, je me sépare de mon épée royale. Alors bon, ok. Donc je vous remonte où. Donc j'avais bien raison, de mémoire, c'est fou.
si vous allez trouver un cimetière Gerudo, si vous n'en avez pas un. Alors, on continue. Ici, il y a un bouclier, si je ne l'ai pas. Ça pourrait carrément être un live Twitch ou YouTube parce que je le fais vraiment. Je le fais. Si je fail, je fail. Hein. C'est-à-dire s'il n'y a pas le. S'il n'y a pas le bouclier, là, je vais galérer à devoir en trouver un autre quelque part. Et je vais pas m'amuser à lancer les amiibo en espérant qu'ils pop. Mais avec l'amiibo d'Urbosa, il pop énormément hein, le bouclier. Ça aussi, ça me fait énormément de peine. Hein. Je suis une personne très sensible. C'est la claque dans la gueule, excusez-moi l'expression, que s'est pris l'amiibo gardien. J'avais vraiment, j'adorais cet amiibo. J'adorais l'utiliser, donner des trucs super sympas. En même temps, on va me rétorquer que, bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'il donne dans Tears of the Kingdom? Il n'y a plus de gardien. Bah, je pense que voilà, ça aurait été sympa de faire quand même un clin d'œil appuyé sur une arme un peu cool. Là, on se tape des armes rouillées et des perches grillées. Et de manière générale, on va pas se mentir, les amiibos dans Tears of the Kingdom se sont pris une claque. Certains, voilà, il y avait de la polémique là-dessus, mais les gens adorent se plaindre pour tout et n'importe quoi. Oui, c'est du pay to win, mais enfin, j'ai envie de te dire que les amiibos, ils servent dans quasiment aucun jeu. S'il y avait bien un jeu où on était content d'avoir acheté les amiibo, c'est dans Breath of the Wild. Donc arrêtez de vous plaindre tout le temps pour tout et n'importe quoi. C'est hyper pénible, surtout quand vous êtes écouté. Et que du coup, ben voilà, on a des amiibo qui sont bien moins intéressants dans Tears of the Kingdom. Personne ne vous force à acheter des amiibo. Si vous avez des amiibo, vous n'avez pas envie de les utiliser, ça vous regarde. Et au final, ouais, c'est un pay to win, bof. Hein. Je veux dire, quand tu joues avec des gamins, t'es quand même bien, t'es bien contente de pouvoir leur donner des amiibo, leur donner ces aides. Et au final, même si tu les prends ces amiibo et que tu n'utilises pas les armes qu'ils te donnent, je veux dire, ça gêne qui hein? Je comprends pas trop. Donc arrêtez de vous plaindre pour tout et n'importe quoi, s'il vous plaît. Alors, à la recherche du coffre, après avoir poussé mon petit coup de gueule. J'espère que c'est. Voilà. Ouais, super. Donc voilà. C'est là aussi en plus un beau bouclier. Et ici. Je vais changer contre celui-là. Hop. Et voilà, on a notre cimetière. Donc je vous remontre. Alors mettez bien ici, hein, c'est là. Hein. Parce que là, c'est tout un tas de sable mouvant, donc faut bien que vous alliez glisser ici. Donc on retourne à la cité Gerudo et on va aller fabriquer nos armes d'Urbosa. S'il vous manque des diamants, ben, j'ai fait ça aussi. J'ai fait une vidéo qui force à pop la lune de sang au cas où vous auriez besoin d'aller farmer des minerais. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vous pouvez aussi en acheter, chose que moi je fais jamais. Je préfère attendre les lunes de sang et aller farmer les minerais que de les payer en rubis. Mais chacun joue comme il veut. Hein. Je disais pour les amiibo. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Je vois pas pourquoi il faut polémiquer là-dessus. Allez, donc on va lui reparler. Bah, évidemment qu'on les accepte. Évidemment qu'on accepte. Alors,
pour moi, c'est très très important, hein. Cette épée d'excellente facture était l'arme favorite du prodige Urbosa. Lorsqu'elle la maniait, ses mouvements prenaient alors toute la grâce de la danse. Ça, c'est une arme qui va directement aller chez moi. Oh là là, okay. Ça me fait un petit pincement au cœur, hein. Bouclier des sept joyaux, aussi léger que robuste grâce au métal d'exception dans lequel il a été forgé, le bouclier favori d'Urbosa permet de parer facilement les attaques les plus violentes. Et la deuxième personne pour qui je forge ces armes, la première étant notre chef Ryu. Et bien avant moi, c'est déjà une de mes ancêtres qui les a forgées pour le prodige. J'aime beaucoup en fait quand il parle des prodiges parce que oui, un côté nostalgie et vraiment, je trouve qu'on les a. Il y a 7 ans qui sont écoulés entre les événements donc de Breath of the Wild et les événements de Tears of the Kingdom. Alors je comprends parfaitement qu'il faille passer à autre chose, mais là c'est quand même beaucoup, hein. Il n'y a plus du tout de technologie Sheikah. Mipha, sa statue qui était dans le château de Doréfa, son père, a été mise au loin dans un jardin. Voilà, plus personne n'en parle. On ne parle plus d'Urbosa, on ne parle plus de Daruk, on ne parle plus de Mipha, on ne parle plus de Revali, mais vraiment on n'en parle plus. Moi, je suis persuadée que les ancêtres des sages, ceux qu'on voit avec Zelda, ça va obliger dans le DLC, on va nous en parler et on va nous dire que ce sont justement les prodiges. Ça, moi, je croise mes doigts. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que j'avoue que je reste totalement sur ma faim là-dessus. J'espère vraiment que. C'est dingue, hein, de dire que j'espère un DLC, parce que normalement, ça devrait être dans l'histoire principale, on ne devrait pas avoir à attendre un DLC, mais je minimise mes propos parce que le DLC de Breath of the Wild était une tuerie, vraiment. Les épreuves de l'épée, c'était dingue. Moi, s'il y a un DLC, j'espère qu'il y en aura un, parce que là, ça me manque. J'espère qu'il y aura les épreuves de l'épée et qu'on en apprendra plus sur les prodiges. Parce que je suis. Voilà, pour moi, c'est la suite. Je rappelle que c'est la suite de Breath of the Wild. Donc, on ne peut pas mettre de côté comme ça tout et nous laisser comme ça sur notre faim. Alors, ça n'empêche pas de les utiliser. Si, je ne vais pas les utiliser. Oui, donc, si elles se cassent, on peut revenir comme dans l'opus précédent. On peut les fabriquer de nouveau. Donc, voilà. Sur cette vidéo, donc je vous ai donné mon ressenti sur les amiibos, ce que je pense, pas des incohérences, mais peut-être du manque un peu d'informations. Ouais, je trouve que voilà, il manque un peu de références au prodige. J'espère que ce sera pas lié dans le DLC, bon, et qu'il n'a pas été annoncé, hein, mais moi je suis persuadée qu'il va y avoir un DLC. Hein. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas. Et je pense que ça va être le cas. Ce qui n'est pas normal. Je vous entends. Hein. Je sais déjà ce que vous allez dire. C'est pas normal que ce soit dans un DLC. Mais je pense que ce sera le cas. Enfin bref, si cette soluce a pu vous aider, n'hésitez pas à liker, à commenter justement, parce que c'est très intéressant. Au-delà de liker, de vous abonner, ce que je. Vraiment, je vous en remercie très sincèrement. Ça me pousse, ça me motive à continuer. Mais commentez, parce que c'est. Voilà, j'adore vous lire, j'adore lire vos idées, j'adore pouvoir discuter avec vous. Je trouve ça très plaisant. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour les soluces de l'arme de Daruk et de l'arme de Revali. Bye bye, les amis.